Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Machine Micro 2. Donc pour vous présenter la bête et procéder au déballage. Donc j'ai attendu, hein, j'ai pas ouvert, j'attendais de faire la vidéo en même temps que vous. Donc la bête, hein, ressemble à ça. J'essaye de me caler par rapport à la vidéo. Donc j'ai pris le blanc parce que j'ai pu l'avoir qu'en blanc. Donc ça tombe bien, je trouve que ça va bien aux couleurs du Mac. Donc avant de procéder au déballage, on a quelques petites indications, notamment derrière sur ce qu'on peut faire et ce qui est inclus. Donc bien évidemment, on a Massive, on a le logiciel donc, qui permet effectivement de jouer avec avec la machine. On a donc une librairie de 6 gigas avec 18 000 samples, 7 000 one-shots, 400 loops, 300 drum kits, 1 400 patterns, 388 samples d'instruments, 170 effets et 60 projets de démo. Donc on nous donne quelques descriptifs sur les pads qui sont en couleur maintenant. Ils supportent le VST 3e génération. Il accepte également les fichiers REX de Propeller Head. L'export MIDI, et donc évidemment il supporte les audio units, donc il est compatible PC Mac, il fonctionne également en standalone, c'est-à-dire sans avoir besoin d'un séquenceur quelconque. Voilà, alors on va commencer à ouvrir tout de suite la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, hop ça. Alors, en première chose, vous voyez, donc on a ici la petite chose, donc qui est tout bien emballée, toute blanche. Qu'est-ce que je peux dire en premier? Il me semble assez bien fini. C'est assez joli, ça a l'air assez robuste. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a un câble USB qui va nous permettre de connecter ça à notre ordinateur. Et nous avons plusieurs petites choses, notamment donc le guide machine. Qui est en anglais et en chinois, donc pour moi ça sera l'anglais sur l'installation. On a des petits autocollants que l'on peut coller éventuellement sur son Mac. Nous avons donc, comme je l'avais dit, Massive d'inclus, hein, qui sera notre sur lequel on entrera notre numéro de licence un peu plus tard. On a un voucher de 25 € qui nous permet d'acheter des extensions. Je vous en parlerai un peu plus tard. On a la possibilité d'acheter donc d'autres packs de sons, de patterns, qui sont normalement au prix de 49 €, je crois. Donc là, on peut en avoir un. On a un voucher pour l'acheter à 25 €. On a le fameux Complete Element, hein, qui nous permet d'avoir une version allégée de Complete, avec quand même 3 gigas de samples. Ça a l'air déjà pas mal, et le logiciel donc d'installation de machine. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte, tout simplement. Donc je vous donne rendez-vous pour mes premières impressions et surtout l'installation, la configuration. Je sais pas, pour l'instant je ferai certainement une vidéo pour les débutants, puisque moi-même je serai un peu débutant, même si je me suis quand même bien renseigné à l'avance avant d'acheter sur son potentiel. J'ai déjà suivi quand même pas mal de tutoriels là-dessus et avant de valider ce choix. Et on va voir ça au niveau de la connectique, comment paramétrer, notamment avec Ableton Live, et comment on va pouvoir gérer toute cette affaire. Donc je vous dis bye bye et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !